dans ce désert, entends la voix du Seigneur. Dans ce désert, entends la voix de notre Seigneur te parler. Écoute-toi, mon frère, écoute-toi, ma sœur, et entends la voix de Jésus te parler. Dans cette bassesse, dans ce manquement, entends la voix de Jésus t'ordonner de revenir à lui, à ce qu'il est, à l'essentiel qu'il est pour toi. Shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Paix et joie à toi. Paix et joie dans ta maison. Paix et joie dans ton cœur. Paix et joie au sein de ton foyer. Nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Encore un privilège de pouvoir nous tenir debout dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tenir debout par grâce, par amour, par miséricorde. Louange à ce Dieu très haut, ce Dieu trois fois saint. Louange à ce Dieu qui s'est donné en sacrifice pour toi et pour moi. Louange à ce Dieu, sauveur de nos vies et de nos âmes. Louange à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi qui es espérance et salut pour nos âmes. Louange à toi qui es vie, paix et amour pour tout un chacun de nous. Alors à toi qui m'écoutes en ce matin, notre Seigneur te donne cette image. Un Père qui a tout le temps, qui a toujours la main tendue sur son Fils, sur sa fille. Quel est ce Père à qui nous nous confions qui pourra se détourner de nous? Quel est ce Père à qui nous nous confions jour et nuit, qui pourra se détourner et nous laisser sombrer dans le mal, dans le péché? Quel est ce Père qui ne saurait pas accueillir son enfant? Quel est ce Père qui ne saurait pas tendre l'oreille pour pouvoir entendre son enfant l'appeler et crier à lui? Quel est ce Père qui ne saurait pas prêter l'oreille attentive au soupir de son enfant? Alors ce matin, voilà l'image que le Père te donne. Un Père qui tend toujours la main sur son Fils. Tout simplement pour te dire, cette voix, ce désert dans lequel tu es, où tu cherches à entendre la voix de Dieu, où tu cherches à entendre sa voix te parler, où tu recherches de tout ton cœur le visage de notre Seigneur, il te dit tout simplement, au travers de cette image, reviens à moi d'un cœur sincère, avec un repentir sincère. Parce que dans la parole, il peut dire ceci, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se repent sincèrement. Sincèrement. Alors à toi qui m'écoutes, décide en ce matin et tout au long des jours à venir, si tu n'as pas encore commencé, décide de saisir la main de notre Seigneur dans ce désert. Décide d'attraper la main de notre Seigneur dans ce désert. Décide de véritablement entendre sa voix te parler dans ce désert pour te repentir de tout ton cœur. Te repentir de tout ton être. Décider de laisser ce péché qui t'empêche de véritablement entendre la voix de Dieu. Parce qu'il n'est pas un Père qui abandonne, il n'est pas un Père qui est sourd. Mais il te dit en ce matin, saisis ma main et écoute-moi te parler. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est là. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est là.
Oui, écoute Israël, écoute-toi mon foyer, écoute-toi ma maison, écoute-toi mon enfant. Le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur est là dans ton désert, le Seigneur est là dans ta maison, le Seigneur est là dans ton foyer. Saisis tout simplement sa main, écoute-toi mon frère, écoute-toi ma sœur. Dans ton désert, le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est là tout près de toi. Écoute-toi, ma nation. Le Seigneur est ton Dieu. Le Seigneur est un. Le Seigneur est unique. Le Seigneur est ton Père. Le Seigneur est celui à qui tu dois abandon et obéissance. Écoute-toi, femme. Écoute-toi, homme. Le Seigneur est ton Dieu. Le Seigneur est là tout près de toi. Écoute à toi, mon péché. Toi qui m'empêches de véritablement entendre la voix de mon Sauveur, entendre la voix de l'époux m'appeler. Écoute sa voix dans le désert et va-t'en loin de moi. Va-t'en loin de moi. Écoute-toi, amertume, tristesse et colère de ma vie. Entends la voix de mon Dieu dans ce désert et va-t'en loin de ma vie. Éloigne-toi de moi, car le Seigneur, mon Dieu, est là avec moi. Oh, écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur. Qui m'écoute ce matin, parle au désert de ta vie et demande-lui de prêter oreille à la voix du Seigneur, à la voix de l'époux, à la voix de Jésus-Christ de Nazareth, à la voix de ton Sauveur. Ce désert peut être ta colère, la rancune, la tristesse, le doute, la peur, le mépris, le rejet, le mensonge, le vol. Demande à ce désert de prêter l'oreille attentive à la voix du Seigneur qui te demande de saisir sa main. Et en le saisissant, demande à ce désert de fuir très loin de toi, de s'éloigner de toi, d'obtempérer à la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien-aimé, c'est dans ce élan d'écoute, d'abandon et de désir d'entendre la voix de ton Sauveur que je te souhaite de passer une agréable journée dans sa présence et qu'il l'agrée encore en ce jour à ton effort et qu'il prête encore l'oreille attentive tel un père à tes soupirs, à tes supplications et à tes cris.
Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.